Che abbiamo per la morte di queste fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del pianto. Un milliard de personnes se déplacent chaque année à l'intérieur de leur propre pays ou émigrant vers d'autres pays à la recherche de travail, de maisons, de santé et souvent pour échapper aux guerres, aux persécutions ethniques et religieuses ou aux famines très sévères. Jamais l'humanité n'a été témoin d'un phénomène de cette ampleur. Selon les données des Nations Unies, 72% des migrants sont en âge de travailler, entre 25 et 64 ans, et 79 millions ont moins de 25 ans. Dans cette mobilité humaine, il y a la catégorie de personnes la plus vulnérable. Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, enregistrés en 2016, étaient 67,7 millions, dont la moitié étaient des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Nous sommes confrontés à un continent de jeunes qui bougent. Les Salésiens s'engagent dans diverses régions du monde à mettre en œuvre l'appel du pape François à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés. Les fils de Don Bosco, en tant qu'éducateurs et évangélisateurs, œuvrent pour leurs droits et leur dignité, leur développement intégral et leur intégration dans les pays et les cultures qui les accueillent. La présence salésienne est engagée dans ce service sous différentes formes, partout dans le monde. Présence parmi les mouvements migratoires d'Amérique centrale et du Mexique vers le nord, personnes déplacées en Colombie, personnes déplacées et réfugiées au Moyen-Orient. Dans l'ensemble du bassin méditerranéen qui gère les flux vers l'Europe, l'Asie du Sud et de l'Est. La réponse se trouve dans les différentes œuvres éducatives qui, dans le monde entier, accueillent et intègrent les jeunes migrants de première ou de deuxième génération. Mais les Salésiens en particulier ont une présence significative en Afrique, dans la région des Grands Lacs, dans la Corne de l'Afrique et au Soudan du Sud, où ils sont engagés en tant qu'éducateurs et évangélisateurs parmi des millions de réfugiés. Des pays africains tels que le Kenya, l'Éthiopie et l'Ouganda, en particulier, ont manifesté un fort sentiment d'accueil pour leurs frères africains, témoignant ainsi la caractéristique vitale des cultures africaines, l'hospitalité. Pour l'étranger, la personne qui l'accueille est comme une lumière qui illumine son chemin. Dans le soin pastoral des jeunes réfugiés et déplacés, l'urgence éducative ne peut être séparée de celle de la survie même des jeunes. Pour cette raison, la présence salésienne est reconnaissable par rapport à celle de n'importe quelle ONG. Les Salésiens travaillent en tant que communauté éducative et pastorale dans lesquelles les consacrés et les laïcs partagent des projets pour la défense de la vie, de la santé et des droits des jeunes. Et en même temps des projets d'éducation et formation qui offrent des connaissances scolaires ou des compétences professionnelles pour se développer libre dans les pays où ils sont temporairement ou dans ceux où ils sont établis de manière permanente. Donc, tous ceux qui s'engagent pour l'accueil et la promotion des personnes déplacées et des réfugiés, sans le savoir, ont accueilli des anges. L'outil d'information qui est entre vos mains vous permettra de connaître et de diffuser l'œuvre éducative et pastorale effectuée par les Salésiens pour des milliers de jeunes réfugiés, en particulier dans les régions d'Afrique où le phénomène revêt des aspects dramatiques.